Yup, aujourd'hui, petite unbox de ma nouvelle chaise gaming. C'est une chaise que j'ai achetée sur Cdiscount qui m'a coûté 149 euros. Ça se présente comme ça. Alors moi, je suis un gros bourrin. Comme ça, tout ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, ça doit être pour les jambes, ça, c'est bien ça. Bon. Vous me connaissez, moi et les unboxings de montage de quelque chose, ça fait toujours deux. Pourquoi j'ai acheté une nouvelle chaise? Tout simplement parce que mon ancienne chaise était cassée. Regardez la fissure. Bon, on va monter tout ça. Je pense qu'il y a un plan. Ok. Bon, allez, on commence. J'imagine que c'est le pivot. On va faire ça proprement. Donc, on a monté un truc comme ça et il faut le faire 6 fois avec ça. Voilà, ça donne ça à peu près. Maintenant, il faut mettre les roues. Bon, ça se fixe assez facilement. Ça qui est bien. Ah ouais, mais en fait, la chaise, elle sera balèze. Oh, elle sera balèze. Bon, après, ils nous disent de prendre ça. Oui, c'est balèze. Ah si, c'est ça. Ça donne ça. Vous savez quoi, j'ai vraiment la flemme de terminer. Je pense que c'est une bonne chaise en vrai. On va la tester, voir. On va continuer avec cette mastodonte. Alors vraiment, quand je fais un unboxing, c'est toujours Bagdad. On va faire un peu de rangement. Alors ça, c'est un gros bourrin. Là, on peut dire on y va un peu mieux. Poser toutes les pièces dont on a besoin par terre. Carton, ça dégage. On va assembler tout ça. On va vraiment bien poser là-dedans. Là, on a besoin de certaines vis. On va avoir besoin de la U, de la U, de la Q et de la V, il me semble. Faire du C, O, V et W. Donc on a ça et ça qui doivent être de ce côté-là, comme ça. Comme ça, avec les vis W. Ok. Ça, ce que je suis en train de fixer, ça va être pour les jambes. On va mettre ça. Ça à l'intérieur. Quand j'aurai envie, par exemple, de m'allonger ou quoi, je tirerai ça et ça s'allongera comme ça. On va mettre le redresse dossier qui se présente comme ça. Faut que je mette V et O. Okay. Ça rentre trop bien. Ça rentre vraiment trop bien. Quand ça rentre trop bien, c'est pas bon signe. Ça a l'air de tenir. Parfait. On va installer ça. Regardez-moi ça. On va mettre les S. Les cendres de la veine. J'ai mis les S et un petit trou juste là. Ça empêche ça de partir. C'est nickel. Là, on a mis 4 vis et les anneaux. Là, ce qu'il me dit, c'est que je dois mettre ça. Ça a l'air d'être bien là, comme ça. Je vais tester. On sent pas trop les trois, ça va. Je trouve ça confortable. Comme je le disais tout à l'heure, regardez. Est-ce qu'on n'est pas bien comme ça? Posé, nickel chrome. C'est parfait. Maintenant, on a ça. On a le dossier. Téma, comment il est balèze. Ça, on va le mettre là. J'imagine comme ça à peu près. Attendez, attendez. J'ai perdu une vie. Ah non, non, non. Plus de peur que de malheur. Ça a l'air d'être solide. Hop, on referme. Crasé comme ça. Bon,
J'en ai profité un peu pour monter la caméra. Donc ça donne ça. Il faut visser juste là. Parce que si je m'assois dessus, je vais tomber comme une merde. Avec V et B. Ça donne ça. Ça fait vraiment peur quand c'est comme ça. Maintenant, on va mettre les accoudoirs. Accoudoirs, c'est bizarre comme... Waouh. Ça, j'imagine que c'est comme ça là-bas. Juste avant, il y a U. U, c'est comme V, mais en plus gros. U qui doit aller comme ça. Et voilà, je pense que c'est pour pas abîmer la chaise. Et voilà. Bon, juste à mettre ces petites pièces, les Y, juste après les vis. Comme ça, juste là. Les Y qui ressemblent à ça. Et voilà. Et regardez, il reste des vis. Ça veut dire que j'ai très mal monté ma chaise. Regardez-moi ça, on a fini cette chaise. Je me sens merveilleusement bien. Non, attendez. Encore quelque chose. Ah, il y a une USB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'USB? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il y avait un... il y avait un système à l'intérieur. Replay de ce que j'ai fait. J'espère que c'est pas cassé. Bon, verdict, je vais brancher ça à mon PC. Qu'est-ce que ça fait? Oula, j'ai branché ça au PC. Écoutez ce que ça fait. What? Ça vibre. Et ça dans le dos, mais c'est méga bien. Je vous jure, qu'est-ce qu'on sent bien, mais qu'est-ce qu'on sent bien. Je trouve ça excellent. Bon, on va se laisser sur le bon massage. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, commenter, partager et vous abonner. Passez faire un petit tour sur mon Twitter et mon Instagram. Quant à nous les petits potes, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.